suis-je ? J'hésite, mais j'y vais. Ce bâtiment insolite, aux lignes grossières, peu esthétiques, de quoi s'agit-il ? Pas de fenêtre, une seule ouverture, la porte. Pourquoi ces murs, recouverts de carrelage blanc, basique, uniformément blanc, avec des joints noirs, de ceux qu'on trouve dans les hôpitaux, voire même à la morgue. Ce bâtiment n'a rien d'attirant. Et pourquoi cette énorme peau rouge, apparemment vide à l'entrée ? Le mastaba. Suis-je devant une sépulture égyptienne antique ? Il en a l'aspect. Vais-je pénétrer dans un tombeau royal ? Le mastaba, un terrier, un abri, un refuge souterrain, que vais-je y découvrir ? Quel secret va-t-il me révéler ? Le mastaba fut, pendant quelques années, à la fin du XXe siècle, la demeure souterraine abandonnée par son créateur, un artiste hors du commun. D'abord, il faut que je dise que j'ai fait des études d'horticulture. Donc, je devais être jardinier ou faire du paysage, des choses comme ça. Et c'était le moment de la guerre d'Algérie, c'était en 59. Bon, j'ai fait 2 ans et demi d'armée. Et au retour, vraiment, j'ai décidé que la nature s'était terminée pour moi. Alors, je suis resté 1 an allongé sur mon lit. On m'a nourri, finalement. Je voulais absolument plus bouger. Et un jour, je me suis levé, au bout d'une année, et j'ai descendu précipitamment dans mon garage, un peu poussé par une forme de pulsion. Et j'ai trouvé dans ce garage un pot de peinture rouge, un pot de fleurs et du ciment. Et c'est ça le commencement. J'ai mis le ciment dans le pot, je l'ai peint en rouge, et j'ai senti à ce moment-là que j'étais sauvé. Intriguée, inquiète, je pénètre dans ce lieu mystérieux et énigmatique, presque vide. Un sentiment de malaise m'envahit. Tout est clair, froid, blanc, uniformément blanc, parfaitement lisse. Quelques objets de couleurs vives me rappellent que je suis chez un artiste, au cœur d'une œuvre d'art. Étrangement, la lumière m'aveugle et inonde la pièce. Elle descend du ciel. Lumière céleste, lumière divine. Je me promène doucement, lentement, mes pas résonnent. C'est vaste, mais j'étouffe dans cet espace qui évoque pour moi une tombe antique. Le sarcophage va-t-il se refermer sur moi ? Je lève les yeux. J'aperçois la lumière salvatrice. Le ciel à travers une immense verrière. Je me dirige vers elle. L'espace s'élargit. Je suis sauvée. Et toujours cette blancheur immaculée. Pourquoi de nouveau tous ces peaux rouges bien alignées ? Ils ne sont pas là par hasard. Et là, alors, je me souviens des paroles de l'artiste. Dans un geste inexpliqué et inexplicable, dans un geste instinctif, primitif, il a rempli un banal pot de fleurs de ciment. De ses mains,
il l'a barbouillé de peinture rouge. Il est devenu une sorte d'objet non identifié. Le pot rouge était devenu objet artistique, objet de rédemption. C'est lui qui a redonné un sens à sa vie. De là est né tout son art. Non, je n'avais pas fait un mauvais rêve. Ce n'était pas une illusion. En pénétrant dans le mastaba, j'avais touché une forme d'art. L'art dans toute sa noblesse et sa pureté. Le mastaba, un mystère à deux pas de la Défense, aux portes de Paris.